Ailleurs. Ne compte pas sur moi pour te le lancer. Et voilà, ça devait arriver. Tu n'as toujours pas compris? Tu veux vraiment jouer, hein? Allez, file! Qui a fait ça? De moi ici, je m'en vais. Loin d'ici, je pourrais m'amuser comme je veux. C'est bizarre, Oreille Tombante n'est pas rentrée. Il ne rate jamais un repas d'habitude. Je vais le chercher. Petit Tonnerre, on va faire une balade en forêt. Allez, petit loup, mange! Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas faim? C'est ça? Ah, tu préfères la viande fraîche! Alors, j'ai compris! Ah, viens, on va chasser! Prêt à l'attaque, petit loup? Voilà du gibier! Bizarre, plus un bruit. Hey! Oreille Tombante, non! Oreille Tombante, arrête, c'est moi! Yakari? Oh, Yakari, ça alors? Qu'est-ce qui t'a pris de nous sauter dessus? Arrête! C'est Yakari, mais lâche-le! Je savais pas que c'était toi, on cherchait du gibier. J'ai trouvé ce petit loup. Il était complètement perdu. Heureusement, j'étais là pour m'en occuper. D'accord, doucement. Il a l'air d'aller bien maintenant. Il faut le laisser retrouver sa meute. Quoi? Pas question, je le ramène au campement. Enfin, Oreille Tombante, c'est un loup. Et alors, on est presque pareil, lui et moi. Il sera aussi bien avec moi qu'avec les loups. Mais non! En grandissant, ton ami découvrira son instinct sauvage. Il ne pourra jamais vivre avec les hommes. Bon, il est trop tard pour retourner au campement avant la nuit. Nous allons bivouaquer ici.
N'aie pas peur. C'est juste pour nous tenir chaud. Et s'il se fait dévorer? C'est un loup. Il saura se défendre. Et malheur à celui qui lui aura fait du mal. Ma petit loup, où tu vas? Tu vois bien, oreille tombante. Tout ce qu'il désire, c'est retrouver les siens. Ouais, mais il peut pas faire tout ce chemin pendant la nuit. Il faut dormir maintenant. Bonne idée. Demain, nous le raccompagnerons un bout de chemin. Yakari, ils sont déjà partis. Hein? Mais où ça? Ils n'ont pas dû aller loin. De trop de bruit par ici. Ne traînons pas. Il m'a lancé un piquant. Sauve-toi, petit loup. Bien, t'es drôlement courageux, toi. Normal. C'est un loup. Encore toi, Yakari. Et un loup, même tout petit, est capable de se défendre contre n'importe quel animal. Et cette épine, oreille tombante. Aïe! Tu vois bien que tu n'es pas fait pour la vie sauvage. Allez, laisse-le partir et rentre au campement. Mais je peux redevenir sauvage? Et d'ailleurs, je parie que je retrouve la piste des loups rien qu'avec ma truffe. Voilà. Ouais, et c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a? Oreille tombante, n'y va pas, je t'en prie. Les loups sont très sauvages. En allant à leur rencontre, tu risques tout simplement de te faire dévorer. Je ne te crois pas. De toute façon, ma décision est prise. La tribu ne veut pas de moi, je vais vivre avec eux. Il ne se rend pas du tout compte du danger. Oui. Il cherche vraiment les ennuis. Bien, puisqu'il ne veut rien entendre, il va falloir ruser. Viens, petit tonnerre, j'ai une idée. Les voilà, je suis sûre qu'il ne pourra pas résister. Oh! Et voilà, il n'y a plus qu'à le suivre et à lui lancer les autres bâtons. Et il sera rentré au campement avant même de s'en apercevoir. Il n'est pas un peu compliqué, ton plan, Yakari? Yakari, c'est toi? C'était stupide, je sais. Mais c'est pour ton bien que je fais ça, oreille tombante. Pff, bon. Allez, petit loup. On s'est bien amusé. Mais on repart maintenant. Les voilà. Tu vois bien, ils ne sont pas comme toi. Je suis sûr qu'ils m'accepteront parmi eux. Non, oreille tombante, n'y va pas. Là, tu n'as pas vraiment le choix. Fais-lui confiance, il est assez débrouillard pour se sauver s'il le faut. Je suis content que ce petit ne soit pas perdu. Maintenant, nous pouvons rejoindre la meute. Salut, je m'appelle... Oreille tombante. Quoi? Mais qui c'est celui-là? Un chien élevé auprès des hommes. C'est toi qui as pris notre petit? C'est-à-dire que... Attendez... Petit loup! Petit loup! Il va se faire dévorer! Il cherche vraiment les ennuis, ce chien!
Écoutez, on est presque pareil, vous et moi. Reste là. Arrière. Viens, Gary. Non. Patilou. Il a sauvé mon petit. Oreille tombante, tout va bien? Oui, Yakari. Ouf, tu m'as fait une de ces peurs. Tu es Yakari? J'ai souvent entendu parler de toi. Oreille tombante est un des chiens de ma tribu. C'est lui qui a trouvé votre louveteau. C'est lui qui l'a protégé. Nous ne te ferons pas de mal. Tu as sauvé notre petit. Tu peux revenir le voir quand tu veux. Alors, oreille tombante, tu n'es pas trop déçue de ne pas être restée avec eux? Non, eux et moi, nous sommes vraiment trop différents. Et puis, ils n'ont pas l'air de rigoler souvent dans cette meute. Yakari, t'as encore des bâtons?